Salut à tous, ce matin je vais vous montrer comment faire le bypass de notre iPhone 6S avec un lock tool ici. Voilà, ok, là, suivez très bien. Pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Ok, donc avant tout, vous allez chercher à mettre le téléphone en mode DFU. DFU pour pouvoir faire le PNDFU. Vous voyez, donc ici, suivez attentivement ici. La première étape, d'abord, nous allons chercher à mettre le téléphone en mode PNW DFU. Voilà, donc si vous regardez d'abord, mettez sur le générique 1 et vous faites le PNW. Après, vous faites le boot RAM 10. Voilà, donc ici, vous suivez. Puis on a déjà mis ça en mode PNW Gaster. Donc ici, on met sur boot RAM 10. Donc vous suivez très bien. Suivez très bien, je vous dis encore, suivez très bien cette vidéo. Voilà, ici, on suit. Le est en train de mettre notre téléphone en mode RAM 10. Donc ici, on suit. On suit encore, bout de RAM 10. Ok, vous voyez, on dit ça a échoué. Pourquoi ça a échoué? Parce que les pilotes là-bas ne sont pas encore dans les données de lock tool ici. Donc ici, nous allons aller télécharger toutes ces données. À savoir le file gaster boot RAM 10. Donc ici, nous allons venir ici, nous allons venir chercher sur le file boot RAM 10 15 jusqu'à devant là-bas. Donc ici, nous avons SE, nous avons 6S, 96S plus. Voilà, vous voyez, vous téléchargez. Voilà, une fois le téléchargement terminé, vous revenez dans votre disque. Disque, à savoir le Dixie, et côté le système, vous choisissez une lock tool. Choisissez des data file Apple. Dans Apple ici, vous venez copier le fichier ici et vous essayez d'extraire le fichier. Après l'extraction ici, vous allez ouvrir le dossier. Rassurez-vous que votre téléphone est toujours en mode DFU. Donc ici, ok. Après l'extraction, on va terminer jusqu'à la fin de l'extraction ici. On suit toujours. On continue. Ok, une fois la session terminée, vous allez ouvrir et venir copier tous ces fichiers contenant votre iPhone ici. Vous allez tout copier. Donc ici, regardez la vidéo attentivement ici. On suit. On suit toujours. Donc, si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos aussi, n'hésitez pas à vous abonner, de liker, de partager. Donc, on copie et on revient en arrière pour coller ici. Donc, je colle et remplace. Voilà. On vient remplacer ici. Ok, c'est terminé. Donc nous allons repartir sur une lock tool pour pouvoir vérifier tout. Vous voyez, il est bien, rassurez-vous que votre téléphone est toujours en mode DFU. Rassurez-vous que ça soit toujours en mode DFU. Passez par mode DFU, vous allez constater que votre travail ne sera pas terminé. Voilà. Donc ici, on continue. Toujours. Et donc ici, il y a d'autres éléments qu'on peut copier aussi. On peut copier aussi le coller. Mais le plus important ici, c'est pour file gaster RAM 10 15 qui nous intéresse ici. Voilà. Donc ici, on vient. File gaster. On remet ici le téléphone en mode PNW encore. On va remettre encore dessus. Et on appuie encore boot RAM 10 en mettant notre téléphone en mode file gaster RAM 10. Voilà, file gaster, vous appuyez sur boot RAM 10. Boot RAM 10 pour la suite. Initialisation. Et vous regardez tous les... Le téléphone est en train de mettre notre téléphone en mode
Valgaster, donc on continue. Amaud Boutramdis pour pouvoir achever le travail. Donc ici, on suit toujours. On suit toujours. On suit. Bon, dit Boutramdis en cours. Boutramdis, on suit toujours. On suit toujours. On suit toujours. Ok, donc il va terminer. Oui, cliquez sur Bypass Hello. Et on suit Bypass Hello. On dit Bypass Hello en cours. Bypass Hello en cours. Bypass Hello en cours. Ouais, dans les données ici, les données de chargement ici, on dit ici Hello Screen Fund. Voilà, donc ici on suit. On suit. Ensuite, aujourd'hui, le bypass est en cours. Vous voyez que c'est très simple pour faire le bypass de CS avec un log tool ici. Voilà, on dit ici, bypass est OK. Vous voyez ici, c'est OK. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager aussi et à très bientôt pour de nouveaux tutos. Merci, merci.